Buntu is a word in Chinese that means sort of the native soil, and that's used to talk about a sort of distinctly Chinese way of looking at the world, of thinking, of making. And for us, it became, after a lot of consideration and a lot of research, one way to propose something that these very different works might have in common. Just behind me in this first room of the exhibition, you have a really lovely juxtaposition between Xu Zhen, also known as Maiden Company, an artist from Shanghai who's created these sculptures where you see juxtaposed reproductions of a Roman and a 19th century Western sculpture that you find in the Louvre. And then behind that, this massive monumental painting by Liu Wei from Beijing, which is referring somewhat abstractly to urban landscapes that have popped up in cities all over China today. Bantu, ça veut dire en effet la terre natale, mais dans le contexte critique actuel en Chine, c'est plus compliqué, il n'y a pas une dimension nationaliste. Il y a aussi l'idée de Bantu dans une conception plus globale. On a l'impression qu'après un certain nombre d'années à avoir tendu vers l'ouverture, à pouvoir partir de Chine pour aller voir ce qui se passait ailleurs, ou même s'installer temporairement, désormais, les plus jeunes partent à l'étranger pour apprendre et reviennent. Ils arrivent à maîtriser un ensemble de techniques, et ce qui est étonnant, c'est qu'ils les associent. Parallèlement, il y a eu le développement des technologies qui correspondent, et dont Cao Fei se fait le témoin quelque part. Et donc tout ça a concordé à accélérer et à renforcer cette évolution et la vitesse de cette évolution. In this exhibition, you'll find actually two generations, one born kind of between the late 60s and mid 70s, and the other born kind of between the late 70s and mid 80s. Between them, you actually have a great difference in that the artists born in the 60s and 70s still remember a China before there was really public space for contemporary art. Whereas with this younger generation, these are artists who have always come of age in relation to a national and a global art world. En 40 ans, il s'est passé une espèce de bond absolument extraordinaire, de transformation et d'une évolution extraordinaire, qui s'est appuyée sur une ouverture sociopolitique, mais aussi une transformation de l'économie, qui a généré des moyens financiers importants, qui ont peu à peu, mais relativement récemment, sont rentrés dans la zone, je dirais, artistique. Further on in the exhibition, you have a young artist like Hao Liang, who's using the most traditional of all media, ink painting on silk as practiced for many, many centuries, but using it to address a very contemporary question, which is the history of a specific garden, the idea of this garden throughout the centuries, and in fact, ending in the 1990s when the garden that had begun as a kind of scholar's utopia was turned into an amusement park complete with a wheel. La critique qu'on peut apercevoir dans les œuvres de ces artistes est rarement frontale et elle critique aussi bien un pouvoir politique que des problèmes très actuels qui sont d'ordre universel, pas uniquement chinois, qui sont effectivement notre rapport aux nouvelles technologies, mais aussi par exemple l'écologie. Donc là, c'est un problème chinois, mais c'est un problème en fait universel. Les peintures qui semblent classiques de Liu Xiaodong présentent un retour dans sa ville natale après de nombreuses années et laissent entrevoir cette espèce de fossé qui s'est creusé entre sa propre vie et la vie de ses amis qui sont restés sur place. Ce sont des peintures réalistes mais qui sont très loin de l'héroïsme des affiches maoïstes et ce sont plutôt des gens qui ont l'air d'être abîmés par la vie ou voilà, où quelque chose n'est pas si simple que ça.
It's our hope that this exhibition is able to transport people and is a way for them to get a sense of what's going on, what people might be thinking, what sort of issues are being considered in China today. So,